Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Infinite Galaxy. Les amis, aujourd'hui on va parler galaxie contre galaxie, guerre, préparation à la guerre, mais également défense. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, de plus en plus d'activités et de conseils hein, sur la partie Infinite Galaxy. Vous y retrouverez tous les guides que vous voyez dans mes vidéos. Et bien plus encore les amis, c'est super simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos et en dessous vous avez toutes les informations sur ma galaxie. On va commencer d'ailleurs tout de suite avec ça puisqu'il y avait une petite sondage, un petit questionnement en cours hein, je dirais au niveau des royaumes, des galaxies hein, et qui a le plus gros joueur. Et apparemment certains royaumes ont déjà des joueurs qui dépassent en puissance les 100 millions. Alors vous le voyez, je suis sur la 1024. C'est pas une galaxie très ancienne, mais quand même, elle commence à avoir de l'ancienneté. Et pourtant, le joueur le plus élevé n'est que à 73 millions. Funky As, le leader de mon alliance hein, des pires, qui est vraiment énorme ici. Mais pourtant, dans bien des royaumes, il y a des joueurs à plus de 100 millions et qui sont encore plus gros. Ça va être assez difficile de les battre, hein, ces mecs-là, quand on va tomber contre eux. Mais c'est pas grave, on sera quand même au rendez-vous. En parlant justement de galaxie contre galaxie et tombée contre d'autres royaumes, il y a eu un guide, on peut appeler ça un guide, hein, qui a été diffusé sur le Facebook officiel d'Infinite Galaxy. Si vous n'y êtes pas, hein, je vous invite à y aller. Il y a des informations intéressantes régulièrement. Regardez, ils nous ont envoyé un grand PDF, une grande image. Il faut zoomer pour bien la lire. Moi, je vous l'ai fragmenté, je vous l'ai découpé en plusieurs. Où il donne des conseils. Alors là, pour une fois, ce n'est pas un guide fait par Koala. Il donne des conseils pour justement les défenses. Et regardez, donc ils disent que les plateformes, alors elle n'est pas traduite malheureusement, ils assurent en traduction, mais dommage, là, ce n'est pas encore traduit en français. Ils disent donc que les défenses de plateformes hein, de notre spaceport peuvent être débloquées hein, et on va aller chercher dans recherche, commande et spaceport défense weapon system, on peut débloquer d'autres armes, donc vraiment très utile ces plateformes de défense. Je vous dirai par la suite hein, moi ce que j'en pense et du guide et de la plateforme. Donc là c'est une information générique, on peut en construire jusqu'à 4. Bon, normalement, si vous jouez depuis un certain temps, vous avez les 4. Hein. Ensuite, il nous donne quelques petites informations, des informations qu'on se rend vite compte si vous jouez activement, qu'elles sont d'ordre général. Quand on a un spaceport, quand on est attaqué, mais ce qui est bien, c'est qu'ils expliquent le fonctionnement vraiment. Et ça, on ne retrouve pas l'information partout. Lorsque notre spaceport est attaqué, eh bien, les plateformes s'activent et commencent à contre-attaquer. Si on a déjà construit les plateformes, hein, on va pouvoir attaquer avec et identifier sur la map, le Start System Map identifie la puissance. Ensuite, il va nous dire une information qui là est vraiment très importante et pas assez mise en avant. Regardez, ils nous disent qu'il y a 3 types différents d'armes et que chaque arme a un type différent d'effet, de propriété, ça c'est évident. Et ce qui est important, ils le disent aussi, on peut changer à tout moment le système de défense d'une tour de défense sans que ça nous coûte de ressources. C'est important parce que ça coûte une blinde à construire à très haut niveau les zones de défense, là comme ça les bâtiments de défense. Donc heureusement que ça ne coûte rien de switcher de l'un à l'autre. Et il faut bien choisir les armes et c'est là qu'il faut avoir besoin de conseils. Ça va dépendre de votre adversaire et selon le type d'attaquant, moi je vous conseille de changer en fonction des attaquants si vous êtes là. Sinon par défaut, si vous avez que 3, classiquement vous mettez une de chaque, hein, c'est ce qui est vraiment le plus efficace si vous n'êtes pas connecté. Sinon il va falloir changer en fonction de, vous le voyez, moi j'en ai que 3 par exemple, et eh bien j'ai un type d'arme par bâtiment. J'en ai que 3 parce que je ne suis pas encore arrivé à la quatrième. Hein. Elles sont 7, 7 et 8. Je pourrais mettre les 3, 8, mais ça coûte vraiment une blinde. Et ils le disent, pour les montées de niveau, il va falloir user des ressources. Et croyez-moi, franchement, ça coûte super cher de monter. Moi, par exemple, pour passer du niveau 7 au niveau 8, hein, ça me coûterait 2,9 millions de titane, 2,9 millions de deutérium, 80 000 seulement de nickel, et non, pardon, 680 000 de nickel et 404 000 de plasma. C'est beaucoup, sachant qu'il faut que je le fasse x3, puis bientôt x4.
Donc bon, on va attendre, hein. C'est pas non plus ma priorité, sachant que mon royaume est en paix et il va falloir que je monte pour le Galaxy contre Galaxy. Et d'ailleurs, l'un des conseils que je peux vous donner par rapport à ça, est-ce qu'il vaut mieux, certains se posent la question, est-ce qu'il vaut mieux monter ces bâtiments de défense si on est en galère de ressources ou créer des vaisseaux d'attaque? Eh bien moi je vous dirais qu'il vaut mieux d'abord partir sur des vaisseaux d'attaque, avoir une flotte suffisamment imposante et après seulement investir dans sa défense. C'est vraiment le conseil que je vous donnerais parce que les tourelles de défense elles sont bien, mais quand vous faites rouler dessus, vous vous faites rouler dessus tout simplement, quel que soit le niveau de votre défense. Et le niveau de votre défense va simplement vous permettre de résister plus ou moins longtemps à plus ou moins d'adversaires, mais quoi qu'il arrive, si une alliance veut vous rouler dessus, quel que soit votre niveau de puissance, eh bien ils vont vous éclater et ils vont vous rouler dessus. Donc autant vous focaliser au départ selon votre besoin, et le besoin premier reste des vaisseaux. Une autre information qui est apparue sur le Discord, pas le Discord, le Facebook officiel, hein, c'est l'information d'une nouvelle langue qui a été ajoutée ou qui va être ajoutée. Et on voit le jeu commence à prendre vraiment son envol puisqu'il va être traduit en japonais. Les voix vont être doublées plus précisément en japonais. Et pour le coup, ils ont recruté des acteurs pour les quatre caractères principaux. Et c'est là que c'est vraiment étonnant. Je pense que c'est des acteurs japonais connus, si c'est le cas, n'hésitez pas. En tout cas, eux, ils disent que c'est des acteurs connus, donc je les crois volontiers. Si c'est le cas et que vous les connaissez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Moi, je ne les connais pas du tout, ces acteurs, pour le coup. Et il y a même un commandant, vous le voyez, qui est masqué, puisqu'ils disent qu'on aura Laura, Hélène, Greg et Degfel. Je ne connais pas Degfel, Felt ou Fel. C'est sûrement un nouveau commandant qui va sortir en même temps que la traduction de cette langue. Peut-être un commandant à son nom, non, je ne sais même pas, je vais dire un commandant japonais, mais non, pas du tout. Il n'a pas du tout un nom japonais. J'en sais rien du tout, en tout cas, ce commandant, pour le moment, il est toujours un mystère. On n'a pas encore le skin de ce commandant. Voilà pour la partie info et update de ce qui se passe et de la préparation à votre défense. Et d'ailleurs, pour bien se préparer à votre défense, faites comme moi et focalisez-vous dans le magasin sur les croquis selon vos crédits de fédération sur un seul vaisseau pour le moment et montez-le à son maximum. Vous le voyez, moi j'ai quand même 35 810 crédits de fédération et 12 685 crédits avancés de fédération. Donc c'est pour ça que j'achète au max des plans du Hades pour continuer de le monter. Donc je le monte complètement, enfin je prends tout. Et pareil de l'autre côté, je peux acheter 590 plans du Hercule, hein. Donc je les achète et vous allez le voir, ça me permet de continuer de monter. Sachant que le nouveau système pour monter, il est un peu spécial avec des 10-1, 10-2. Ça a vraiment bien changé. Vous le voyez, je vais passer au niveau 10-2. Je passe au niveau 10-3. Voilà, hop là, je retourne. Il me le classe en 11. Hop là, voilà. Donc maintenant 11, 11-1. Et c'est 300 croquis. Je ne les ai plus. Mais il continue d'avancer. À présent, mon Hercule, il commence à avoir bien, bien la patate. Et malgré ce que j'ai acheté pour le Hadès, je vais pouvoir le monter. Alors de combien je vais pouvoir le monter? 5-1. Et je vais pouvoir le remettre juste un coup normalement. Et après, j'en aurai plus. Ah non, j'en ai encore. C'est bon. Modifié. Il est toujours à 70. Et maintenant, il est à 100. Donc maintenant, il est à 5-3. Juste avant le niveau 6. En termes de puissance, vous le voyez, hein, donc là, c'est déploiement. Si je les classe en puissance, mon Hadès est plus puissant que mon Hercule malgré la différence de niveau. C'est une chose qu'on retrouve souvent dans les guides que je vous partage. C'est vrai pour les commandants, mais aussi pour les vaisseaux. N'oubliez pas que ce n'est pas parce qu'un vaisseau est d'un type, légendaire ou épique, qu'il va forcément être plus puissant qu'un autre. Les niveaux sont à prendre en considération. Donc là, pour le coup, mon Hadès est de loin mon vaisseau le plus élevé. Donc vous voyez, j'ai beau monter, continuer de monter mon Hercule. Il passe pas devant, on le voit derrière, hein, en image troublée, même niveau 30, il n'est pas plus puissant que mon Hadès, hein, mais parce que ça dépend aussi des armes, ça dépend de l'équipement, de l'appareillage que j'ai dessus. Vous voyez, les appareillages que j'ai sur mon Hercule pour le moment sont modestes. J'en ai préparé d'autres, hein, pour les galaxies, pas pour contre-galaxies, du lourd qui devrait le faire passer un cran en niveau en tout cas. Mais considérez bien ça, le niveau joue autant que le type, hein.
Ce n'est pas d'office. Regardez mon Prométhée, même quand mon Hercule était que niveau 27, eh bien il était moins puissant. C'est dû aussi à son niveau. On voit, je peux l'augmenter. C'est dû à son niveau, c'est dû à son appareillage aussi. Donc je continue de le monter. Tac, tac, et voilà, maintenant je ne peux plus. C'est dû à beaucoup de facteurs. Et même là, en l'ayant monté, eh bien il reste moins puissant, même si c'est un légendaire, que le Hercule. N'oubliez pas tout ça. Le Galaxy contre Galaxy a déjà commencé sur deux serveurs, en tout cas qui sont des serveurs de test, même trois serveurs. Et il va bientôt arriver, même si pour le moment il n'est pas annoncé sur tous les serveurs. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera très utile. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très très plaisir, les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Infinite Galaxy.